parcours assez, assez atypique. Hein. Il est français, mais il va voyager beaucoup. Une des raisons pour lesquelles Louis Aymon va quitter la France, hein, c'est des relations assez tendues avec, avec sa famille. Louis Aymon est issu d'une famille bourgeoise française. Louis Aymon a une âme un peu rebelle, se sent plutôt coincé dans ces structures bourgeoises qui sont très rigides. Louis Aymon, lorsqu'il arrive au Canada, n'avait pas pour intention première de visiter le lac Saint-Jean. Il se dirigeait plutôt vers l'Ouest canadien, mais une rencontre sur le bateau qui l'a amené au Canada, avec un prêtre, l'a convaincu de venir au nord du lac Saint-Jean. Louis Aymon voulait découvrir des grands espaces, voulait découvrir des espaces où l'être humain est en train de gagner sur la nature, la colonisation finalement. C'est ça qui va l'amener ici, là, en juillet 1912. Il va décider de déménager ses pénates là, pendant au moins quelques mois. Il va rencontrer un colon, Samuel Bédard, qui va accepter de l'engager pour, comme homme de ferme. Et puis, ben, pendant quelques mois, il va demeurer chez les Bédard. C'est de cette expérience-là dont il va s'inspirer pour écrire Maria Chapdelaine. Évidemment, il passait pour un peu curieux auprès de la population. Première des choses, Louis Aymon ne savait à peu près rien faire. On l'avait engagé comme homme de ferme, mais il était plutôt malhabile. Hein. C'est un intellectuel, un écrivain. Puis juste le fait qu'il, à tout bout de champ, il prenait des notes. Il parlait peu, c'était quelqu'un de très discret. On ne savait à peu près rien de lui. D'ailleurs, tout le temps qu'il était ici, il y a peu de personnes qui s'imaginaient que Louis Aymon était en train d'écrire un roman. Le roman Maria Chapdelaine n'a probablement pas été écrit à Péribonka. Quand il a quitté Péribonka, il s'est déplacé un peu au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il a vécu pendant l'hiver 1913, partie de l'hiver 1913, à Saint-Gédéon, dans un hôtel. Il est très possible que Maria Chapdelaine ait été écrit à Saint-Gédéon. Puis, à la fin du printemps, il déménage à Montréal. Puis on sait qu'à Montréal, là, il a au moins, en tout cas, dactylographié son roman. Lorsqu'il va quitter Montréal au mois de juin 1913, ben, Maria Chapdelaine a été écrit, dactylographié. Il envoie des copies à un éditeur, Hachette, à un journal parisien qui s'appelle Le Temps, et puis à sa famille. Donc, c'est ça qu'il va faire avant de partir vers l'Ouest, où il va trouver ben, son tragique destin en Ontario, où il va être frappé par un train et puis il va décéder en Ontario. Le succès de Maria Chapdelaine va venir en 1921, lorsque un éditeur, Bernard Grasset, un éditeur français, va faire paraître Maria Chapdelaine à nouveau et lui va véritablement le vendre. Et ça va connaître un succès en France phénoménal. À partir de ce moment-là, le Québec, lui, va suivre. Ce qui fait qu'en l'espace de quelques décennies, Maria Chapdelaine devient un très grand succès de librairie, autant en France qu'au Québec. C'est surtout dans les milieux de la droite que Maria Chapdelaine va plaire. Parce qu'on a un peu l'impression de découvrir dans Maria Chapdelaine la vieille France. La France disparue depuis déjà une couple de siècles, depuis la Révolution. On a une France qui est très différente, qui est laïque. Alors que là, on présente, dans le fond, une espèce de morceau de la France perdu en terre d'Amérique, où les valeurs religieuses sont toujours en vogue, où l'agriculture est le centre de la vie des gens. Dans la région, la première réception, je dirais, est plus ou moins intéressante. Les gens de Péribonka, il y a une espèce de malentendu qui existe avec Maria Chapdelaine. Ce qu'on décrit dans Maria Chapdelaine, c'est encore là une réalité qui n'est pas la réalité du tout Péribonka. Oui, il y a une partie du territoire qui est en colonisation, ce qu'on ne peut pas le nier. De toute façon, Louis Aymon le raconte très bien. Mais il y a toute une autre vie à Péribonka. Par exemple, vers l'ouest, il y a une autre municipalité qui se développe, qui s'appelle Saint-Amédée de Péribonka, qui se développe autour d'une usine de pâte à papier. Donc là, on vit une autre réalité que la colonisation, c'est l'industrie. On a l'impression que Louis Aymon a décrit le Péribonka le plus fruste, le plus primitif.
Une agente de diffusion, son rôle principal, c'est de gérer l'équipe des guides, donc l'équipe d'animation. Ça, c'est vraiment large. Ça touche autant l'embauche des jeunes que leur formation. Donc, je m'occupe de leur formation sur le terrain, mais aussi du contenu historique, mais je suis accompagnée d'un historien, bien entendu. Sinon, je m'occupe également de faire tout ce qui est les horaires, la répartition du travail entre les différents guides. Et par la suite, je m'occupe également de répondre à leurs interrogations au courant de l'été. Mon parcours au musée, il se résume à être 2 ans guide. Donc ça m'a permis d'acquérir toute la bagage que je pouvais donner aux jeunes par la suite. Je m'occupe de former les guides, autant sur le contenu historique. C'est moi qui leur montre un peu les expos, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'ils ont à montrer aux gens. Également, je m'occupe de leur montrer comment ouvrir les pavillons, comment les fermer, comment les gérer, comme la caisse enregistreuse, je leur montre tout ça. C'est toujours à recommencer à chaque année. Disons que parfois, il y a des guides qui reviennent d'une année à l'autre, mais vraiment, en étant 4 guides au musée Louis-Aymon, disons que s'il y en a un qui revient, bien, il y en a 3 autres de nouveau, donc 3 autres à former. Un des problèmes que j'ai à gérer en tant qu'agente de diffusion, c'est des fois des guides qui ne sont pas à l'aise avec l'accueil des gens. Donc, il y a beaucoup de gens un peu timides qui, là, n'osent pas trop tout leur expliquer, tout bien les accueillir. Également, il y a un autre problème qui se pose, c'est quand un guide pense connaître son sujet, mais que dans le fond, il ne connaît pas nécessairement tout. Donc, là, c'est de travailler avec lui afin de lui montrer comment bien gérer son sujet, bien l'apprendre, pour être capable de mieux leur expliquer plus tard. Un conseil important que je donnerais à ceux qui veulent devenir guide, c'est, je pense, d'aimer l'histoire, d'aimer aussi accueillir le public. Parce que, bon, en tourisme, une grosse partie du service qu'on donne aux clients, c'est l'accueil. Donc, c'est d'être à l'aise avec eux, de ne pas avoir peur de leur montrer tout ce qu'on connaît. Puis ça, un guide connaissant, c'est toujours mieux. Donc, un guide informé, disons que les gens le ressentent tout de suite. On ne connaît pas précisément la source, les personnages de son inspiration. Comme n'importe quel auteur, il s'inspire des gens qu'il côtoie. Cependant, on a voulu, à un certain moment donné, un certain Damas Potvin, qui était journaliste, a voulu rencontrer les personnages qui ont inspiré Marie-Chapdelaine. Cependant, il fallait qu'il les trouve, ces personnages-là. Il a décidé qu'en venant à Péribonka, de trouver chacun des personnages du roman. Alors, pour le père Chapdelaine, ben, il voyait Samuel Bédard. Pour la mère Chapdelaine, évidemment, il croyait que c'était l'épouse de Samuel Bédard, Laura Bouchard. Mais il y a certains personnages plus problématiques. Qui était Maria Chapdelaine? C'est sans doute, comme n'importe quel auteur, un amalgame de caractères de plusieurs femmes qu'il a rencontrées. Alors que Damas Potvin a voulu trouver la personne qui avait inspiré Louis-Aymon. Donc, il a décidé, lui, que c'était la sœur de Laura Bouchard, Eva Bouchard. Alors que Louis-Aymon n'a peut-être pas fraternisé très longtemps avec Eva Bouchard, il l'a peut-être vu. Ce qu'on sait des témoignages, c'est qu'il a peu parlé à Eva Bouchard. Donc, le problème avec Eva Bouchard, c'est qu'on sent mal en quoi elle a pu inspirer Maria Chapdelaine. C'est une fille instruite. On n'a pas le type de la fille de colon qu'on retrouve dans le roman. Dans les années qui vont suivre, même si au départ, Eva Bouchard n'était pas du tout chaude à l'idée d'être le modèle de Maria Chapdelaine, elle va se faire prendre au jeu. Les gens vont venir à Péribonka, veulent la rencontrer. Et Eva Bouchard va endosser petit à petit, au fil des ans, ce rôle d'inspiratrice de la célèbre Maria Chapdelaine. Elle va même signer, va endosser la signature de Maria Chapdelaine lorsqu'elle signait un exemplaire du roman ou des cartes postales qu'elle vendait, mais elle les autographiait du nom de Maria Chapdelaine avec ses initiales. Et ce qui est intéressant, c'est si on va au cimetière de Péribonka, sur la pierre tombale d'Eva Bouchard, entre parenthèses, on a Maria Chapdelaine. Les illustrations de ce livre de luxe ont été commandées au célèbre peintre Clarence Gagnon. Elles ont été réalisées en France sur une période de plus de 4 ans avec peine, l'artiste doutant de la qualité d'impression de ses planches.
Il a réalisé 54 dessins utilisant la craie, la gouache, le pastel et le graphite sur papier. Malgré leur prix élevé, les 2000 exemplaires de l'édition Mornay de Maria Chapdelaine s'écoulèrent en quelques jours. Clarence Gagnon est née en 1881 à Montréal. Après des études de dessin et de peinture, il se lance dans la réalisation d'eau-forte qui lui valent sa notoriété. Il donne vie à ses toiles grâce à des couleurs chaudes qui transmettent avec brio l'ambiance des paysages réels et la beauté des gestes des habitants qui accomplissent leurs tâches quotidiennes. Aujourd'hui, les planches originales sont la propriété de la McMichael Canadian Art Collection de Klingberg en Ontario. Le musée Louis-Aymon, en fait, c'est un musée littéraire. En fait, c'est le seul musée littéraire au Québec. Donc, c'est un musée qui est très distinct de par sa vocation littéraire. Nous, ici, au musée, on a une exposition permanente qui est vraiment axée sur Louis-Aymon. Cette exposition permanente-là, en fait, brosse vraiment le portrait de l'écrivain et de son œuvre, Maria Chapdelaine. Ensuite, il y a la maison Samuel Bédard. La maison Samuel Bédard, c'est vraiment la maison où Louis-Aymon a habité quand il est venu à Permanca, donc lors de son passage en 1912. Et on peut dire que c'est la seule maison de colonisateur qui reste là, dans le haut là, du lac Saint-Jean. Aussi, on organise à chaque année, là, il y a vraiment des activités ponctuelles, tout dépendant du thème là, de l'année. Là. Souvent, c'est des journées portes ouvertes ou des conférences historiques ou des activités plus éducatives là, pour les jeunes. On est ouvert toute l'année en saison haute. Ça veut dire de la Saint-Jean-Baptiste jusqu'à la fête du travail. C'est 7 jours sur 7, de 9h à 17h. Puis sinon, en basse saison, là, c'est ouvert du mardi au vendredi de 9h à 16h.